Bonjour, bonjour à tous. Alors, moi c'est Pascaline, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez me dire si ça marche bien? Parce que c'est la première fois que je fais un live. Et du coup, bah, je sais pas trop comment ça marche, en fait. Donc, si quelqu'un peut me dire si le son c'est bon, si on voit bien. Voilà, ce serait sympa. Bon, je vais commencer et puis s'il y a des soucis, vous me dites. Du coup, je m'appelle Pascaline. C'est moi qui suis derrière la page Facebook qui s'appelle L'invitation au voyage. Thérapie holistique par Pascaline Jequier. Et du coup, je propose donc des soins énergétiques, du massage et aussi. Je suis coach de santé, donc formé par Thierry Casasnovas. Du coup, voilà, j'accompagne les gens à retrouver la santé de manière naturelle, donc à travers les 5 piliers, alimentation, rythme de vie, l'état d'esprit, le mouvement et la respiration. Et voilà, c'est pour ça que ce matin, je voulais vous proposer du coup un petit live de réveil musculaire, articulaire et respiration. Donc voilà, pour que quand cette période on puisse rester en pleine santé. Voilà, j'en avais jamais fait avant parce que je suis pas très à l'aise avec la caméra. Mais bon, il faut croire que cette période un peu spéciale, ça pousse je sais pas, à se poser des questions et à faire des choses nouvelles. Donc hier matin, quand j'étais en train de faire mes exercices, je me suis dit bah, pourquoi pas partager ça avec d'autres gens. Ça peut soit en motiver certains ou donner des idées pour de nouveaux exercices. Voilà, du coup, je suis partie pour 30 minutes et puis vous me direz si 30 minutes c'est bien, c'est trop, c'est pas assez, voilà, si je dois en refaire. Voilà. Bon, ben du coup, je vais pas faire trop de blabla. C'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est surtout pour faire de la pratique. Et puis, si jamais vous avez des questions un peu plus théoriques, je vous laisserai me les poser. Voilà. Du coup, on va commencer avec un exercice qui est tiré du Do-in. Donc, le Do-in, ce sont des automassages chinois. Et donc, ça permet de réveiller le corps. Pour ceux qui peuvent, je vous conseille d'aller dehors. C'est plus sympa d'être au soleil si vous avez la chance d'avoir un petit bout de jardin. Si vous pouvez vous mettre pieds nus, c'est encore mieux. Sur la terre, parce que la terre, elle est pleine d'antioxydants et le fait de mettre notre peau en contact avec la terre, ça permet à ces antioxydants de pénétrer dans le corps et du coup de neutraliser les radicaux libres qui sont responsables notamment du vieillissement. Voilà, et aussi pour ceux qui, comme moi, sont en sweat, je vous invite à tout de suite enlever votre pull, vous mettre en t-shirt, même s'il fait un peu frais chez vous. Hop. Comme ça, même s'il fait un peu frais, bah, ça permet de vous mettre dans un petit inconfort juste pendant quelques secondes ou quelques minutes, parce que de toute façon, on va vite se réchauffer. Et le fait de se mettre dans des petits inconforts comme ça, c'est aussi une technique qui permet de renforcer le corps, une technique de régénération. Voilà, bon, je vais mettre du coup la minuterie pour être sûre de à peu près suivre parce que sinon moi je peux être partie pendant 1 heure. Ok, donc c'est parti, on se met debout. Donc en premier, pour se réveiller, on va se dépoussiérer. Donc première technique du Do-in, c'est le dépoussiérage. Donc vous allez venir frotter votre corps comme si vous vouliez enlever les énergies endormies, toutes les énergies de la nuit. Voilà. Vous venez frotter votre corps de manière assez vigoureuse. Est-ce que tout le monde me voit? Je regarde juste si tout le monde me voit. Je ne sais pas. Bon, on verra. Allez, devant. Ok. C'est dans le dos. Bien le bas du dos. Ok, ses jambes. Si vous pouvez le faire sur une jambe, c'est encore mieux. Comme ça fait travailler l'équilibre. On dépoussière. Le pied, oups, l'autre jambe, les mollets et les pieds, le cou, la tête, les épaules. Ok. La deuxième technique du Do-in, c'est les frictions. Donc là, vous venez vous frotter comme si vous vous laviez. Donc ça permet d'augmenter la circulation sanguine.
Ok. Et de réveiller les muscles. Ok. Sur la poitrine, le ventre. Le ventre, on peut faire des cercles. Ok. Derrière. Les cuisses. Alors, je regarde si ça marche. Ça marche, on dirait, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on continue. On se frictionne les cuisses. Normalement, vous allez vite vous réchauffer. Ok, les pieds. L'autre jambe. Voilà. Si vous pouvez le faire sur une jambe, c'est bien. Sinon, on fait les deux jambes en même temps. Ok, le cou. La tête. Ok, la tête. Ok, les épaules. Ok. Normalement, déjà, vous devez avoir chaud. Ensuite, la troisième technique du do-in, c'est les percussions. Donc, soit vous pouvez faire les poings fermés, comme ça, ou les mains ouvertes. Moi, je préfère les mains ouvertes, mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, on commence par les bras. Ok. Ok, la poitrine, le ventre, ok, au niveau des reins, ok, les mollets, les pieds. Le cou, la tête, le crâne, ok, les épaules, ok, très bien. Alors, est-ce que c'est bon? Ça marche bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on entend bien le son quand je suis de loin? Quand je suis loin, pardon. Bon. Après, même si le son est pas très bien, bon bah il faut suivre les mouvements. Vous voyez, donc la dernière technique du do-in, c'est l'harmonisation. Donc en fait, on vient là harmoniser toutes les énergies qu'on a mis en circulation. Donc simplement, vous sautiez sur place en laissant bien tomber les bras. Ok, on tombe les bras. Ok. Ok, on tire bien les bras vers le haut, on inspire, et on laisse tout tomber. Encore une fois, les bras vers le haut, on inspire, et on laisse tomber. Ok, donc à ce stade, normalement, vous êtes déjà un peu réveillé. Donc, les prochains exercices, je vais vous expliquer, on va faire donc, les 5 tibétains. Donc les 5 tibétains, c'est 5 exercices tirés du yoga qui moi j'aime beaucoup. Si j'ai pas le temps de faire beaucoup d'exercices, je fais que les 5 tibétains parce qu'ils font vraiment travailler tous les muscles, toutes les articulations, et donc ils augmentent l'énergie vitale et ils viennent harmoniser donc les chakras qui sont les centres d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment des super exercices très complets, et la légende dit qu'ils augmenteraient la longévité. Donc, bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ils font beaucoup de bien. Donc là, comme c'est la première fois, peut-être que certains vont les faire, on va juste faire 5 mouvements de chaque pour commencer. Alors le premier, il faut avoir un petit peu de place parce qu'on va devoir donc tourner sur place. Donc c'est-à-dire que vous allez vous mettre les bras écartés, paume vers le bas. Vous fixez un point devant vous. Allez, hop, je pousse le chien. Pardon. Vous fixez un point devant vous et vous allez tourner. On fait 5 tours complets dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4 et 5. Au bout du cinquième, on se recentre. Donc ça c'est super pour travailler l'équilibre. Ok, deuxième exercice, vous vous mettez à genoux, donc assis sur les pieds, les mains au niveau des hanches, et donc vous allez inspirer en tirant tout votre corps en arrière
et soufflez en venant vous mettre en boule. Donc on va en faire 5 comme ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, voilà pour le deuxième exercice. Ok, le troisième, il faut s'allonger au sol. On s'allonge au sol dans cette position. Et donc vous allez lever la tête en même temps qu'une jambe. Comme ceci. Et donc on va faire 5 mouvements de chaque côté. Donc 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, ok. Donc, attends, je regarde si ça marche. Du coup, pour l'exercice qu'on vient de faire, normalement, l'exercice de base, il faut lever les deux jambes en même temps. Mais je trouve que c'est un petit peu... ça peut être traumatisant pour le dos. Quand on commence, donc moi je préfère faire qu'une jambe à la fois. Voilà, en soufflant bien à chaque fois que vous montez une jambe et en serrant bien les abdos. Le prochain, vous vous asseyez dans cette position, les mains à côté des hanches, et vous allez venir inspirer en vous mettant en pont et souffler quand vous revenez. Je vous remontre, on inspire et on souffle. Voilà. Donc c'est parti, on fait pareil, 5 mouvements de chaque. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Et donc il va rester un exercice, un dernier exercice. Vous vous mettez en position de sphinx, donc les mains à côté de la poitrine, dans cette position. Et donc vous allez inspirer en poussant les fesses vers le haut et souffler pour revenir. Je vous remontre comme ceci. C'est parti, on en fait 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On reste un peu dans cette position. Donc voilà pour les 5 tibétains. Est-ce que donc quelqu'un peut encore me confirmer que quand je suis là-bas on entend le son? Ou est-ce que c'est clair à peu près ce que je fais? Est-ce que je me rends pas compte vu que c'est la première fois que je le fais? Voilà, si quelqu'un peut juste me dire, ce serait cool. Voilà, donc c'est les 5 tibétains. Donc c'est des super exercices. Oui. Si vous devez en choisir qu'un à faire, ceux-là sont bien, voilà, ça prend même pas 10 minutes, c'est super. Ensuite, je vous invite à vous remettre debout. Donc,
Donc là, on va faire des squats, donc ça permet de pour faire travailler en fait les cuisses, mais enfin toutes les jambes globalement. Si vous pouvez, vous allez essayer de descendre jusqu'en bas, c'est-à-dire vraiment jusqu'en position accroupie, si c'est possible pour vous. Sinon, vous vous arrêtez plus haut, on va en faire 10, comme ça, en ayant le dos bien droit. Et donc en travaillant bien sur la respiration, donc vous inspirez quand vous descendez et vous soufflez quand vous remontez. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au dixième, si c'est possible, vous allez rester en position accroupie. Donc c'est une super position, ça, que bah, du coup dans notre vie un peu moderne on n'a plus l'habitude de faire, puisque souvent on est assis sur des chaises, sur des canapés, sur des lits, donc on se met beaucoup plus rarement dans cette position, sauf que, et du coup en fait en vieillissant on perd la capacité à se mettre dans cette position, et on s'en rend pas compte quand on est jeune, mais du coup à certains âges ça peut être gênant, hein, rien que pour se relever du sol. Donc c'est un mouvement qui est important d'entretenir. Donc voilà, je vous invite, si vous pouvez, à rester en position accroupie, comme ceci. Et en même temps, à venir vous étirer. Donc vous mettez les mains derrière la nuque. Vous tirez le menton sur la poitrine pour étirer tout le dos. Et on reste une trentaine de secondes, comme ça. Sentir que ça tire de la nuque presque jusqu'en bas du dos, c'est possible. Ensuite, vous allez essayer de vous mettre donc à peu près dans la même position, mais pieds serrés. Donc ça peut être plus difficile parce que ça vient bien tirer sur les étirer les mollets. Donc vous mettez pieds serrés, position accroupie. Vous voyez, voilà. En essayant bien sûr de ne pas poser les fesses par terre. Il faut essayer de basculer le poids du corps vers l'avant. Voilà, on essaie de rester 30 secondes dans cette position. Les bras devant pour vous équilibrer, c'est bien. Voilà, c'est possible que ce soit difficile si vous avez les mollets un peu raides, mais ça vient en le faisant en fait. Et au début, vous pouvez vous aider si vous voulez. C'est difficile, vous posez les mains à côté, ou alors vous écartez un peu les pieds. Quand on écarte les pieds, c'est un peu plus facile. Voilà. Ok. Maintenant, vous allez vous redresser doucement, les deux mains à plat sur le sol. Les deux mains à plat, les pieds serrés, et vous allez, en gardant les mains à plat, essayer de tendre le plus possible vos jambes. Donc si vous arrivez à tendre les jambes, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, qu'elles sont un peu pliées, c'est pas grave. Vous relâchez bien la tête. Vous respirez bien et vous essayez petit à petit de tendre plus les jambes, mais sans forcer. Le but, c'est pas de forcer. Voilà. L'assouplissement se fera petit à petit en le faisant un peu tous les jours, cet exercice. Voilà. Les postures avec la tête en bas, comme ça, c'est super aussi parce que ça vient irriguer toute la tête, donc le cerveau aussi. Ça vient dégager les sinus. Donc c'est bien de faire quand vous faites des exercices. Que ce soit des étirements ou du renforcement musculaire, c'est bien d'intégrer des exercices avec la tête en bas. Voilà, pour venir irriguer tout ça. Vous essayez de faire des petits mouvements, c'est-à-dire vous pliez un peu les jambes et vous tendez. Pliez, vous tendez. Pliez, tendez, pliez.
vous allez remonter doucement, vertèbre par vertèbre. Ok, très bien. Prochain exercice. Donc ça va être le principe, c'est de descendre sur une jambe, et de s'asseoir en descendant sur une jambe, et ensuite de se relever sans les mains. Donc ça c'est pour conserver la capacité, enfin la force musculaire des jambes, donc la capacité à se relever du sol sans l'aide des mains. Donc on se met sur une jambe devant, et vous descendez doucement, doucement, vous venez vous asseoir, et ensuite vous trouvez la technique que vous voulez pour vous relever sans les mains. Donc soit vous pouvez vous relever comme ça, on peut aussi passer à genoux. Voilà, on va faire ça plusieurs fois. Et pour descendre, vous alternez une fois la jambe droite et une fois la jambe gauche. Ok, donc c'est parti, jambe gauche, on descend, doucement, et on se relève. On va le faire 4 fois. On y va. Pour ceux qui n'arrivent pas à descendre sur une jambe, vous le faites avec les deux jambes. Et par contre, vous essayez au maximum de vous relever sans les mains. Ok. Ensuite, on refait jambe gauche. Hop. Et encore une fois, sur la jambe droite. Ok. Très bien. On se remet à genoux. Dans cette position, vous allez essayer de venir basculer vos fesses d'un côté, comme ça, et venir vous étirer sur le côté. Vous tirez bien, donc une main à la hanche, l'autre main vers le ciel. Vous tirez bien, vous respirez, donc ça doit tirer toute cette partie. Et vous allez repasser de l'autre côté en essayant pareil de ne pas vous servir de vos mains, si c'est possible. Et on repasse, voilà. Et on tire l'autre côté. Ok. Alors on refait une fois de chaque côté. On repasse. Encore. Ok, très bien. Vous restez à genoux. On va venir étirer les quadriceps. Donc, là, le but, ça va être de se pencher en arrière. Je ne sais pas trop si vous voyez. Se pencher en arrière, donc selon votre souplesse, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin. Donc, vous aidez de vos mains. Et vous allez, en gardant les genoux serrés et au sol, vous allez venir le plus possible vous allonger sur le sol. Donc il y a certaines personnes qui pourraient être que comme ça, c'est pas grave, le but c'est pas de mettre son dos par terre, c'est que vous alliez vous au maximum de vos possibilités sans vous faire mal. Voilà, donc on se penche en arrière, la tête en arrière, vous pouvez vous soutenir le bas du dos ici. Voilà, par contre si ça vous fait mal, vous arrêtez. Il faut pas que ça fasse mal, il faut que ça tire au niveau des quadriceps. Vous pouvez mettre les bras derrière pour ceux qui sont souples. Super position, enfin au début ça peut être inconfortable quand on n'est pas habitué, mais ensuite quand on le fait petit à petit, c'est une super position de même de repos, enfin c'est hyper agréable de se mettre dans cette position. Voilà, alors on va faire une autre posture, donc la tête en bas. Donc vous allongez et vous allez essayer de
lever les jambes au-dessus de la tête. Vous pouvez vous aider de vos mains pour les caler au niveau du dos si c'est difficile pour vous de tenir les jambes toutes seules. Voilà, on va rester par les 30 secondes à peu près dans cette position. Donc, on s'allonge et vous allez souffler pour monter les jambes. Si c'est difficile, vous venez vous aider ici. Et sinon, vous mettez les mains à plat. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez écarter les jambes et resserrer. Pas à tenir si c'est difficile. Ok, on redescend. Donc on va refaire la même. Oh, mince, j'ai plus beaucoup de batterie. D'accord. Donc là on va refaire la même position. Et pour ceux qui le sentent, vous allez essayer en fait de sortir de la position en faisant une roulade en arrière sur le côté. Donc c'est pour ceux qui le sentent, qui sont souples, peut-être qu'ils l'ont déjà expérimenté. Ceux qui ont peur ou qui ne le sentent pas pour une raison ou pour une autre, vous le faites pas. Et vous redescendez avec les jambes devant. Donc, du coup on refait. Voilà. Les jambes en l'air. Et on vient sortir en roulade. On repart. Oups, mince. Je me remets en face. On fait la même chose, on va sortir de l'autre côté. Hop. Et on revient en roulade. Ok. Donc ça c'est des choses que aussi en étant adulte on fait plus. Quand on est enfant, on fait souvent des roulades, on s'amuse. Et en étant adulte, je sais pas pourquoi, on arrête de faire ce genre de choses. Et alors que c'est vraiment des super exercices pour entretenir toute la mobilité du corps, aussi au niveau de la force musculaire. Et puis c'est ludique, ça change un peu de certains exercices des fois qui peuvent être un peu, peut-être un peu plus chiant à faire. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça rigolo de faire des roulades. Du coup, voilà, faites des roulades chez vous, faites-les avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou tout seul. Alors, pour continuer... Je regarde juste l'heure qu'il est parce que je sais pas. Ah oui, il reste que 5 minutes. Bon, du coup, ça va être rapide. Allez, pour terminer, on va faire des mouvements donc, en partant de la tête jusqu'en bas. Donc, bien ancré au sol, on fait des grands mouvements. Allez, 3 dans un sens, 3 dans un autre. 2. 3, pareil, 1, 2, 3, sur le côté, 1, 2, 3, on vient étirer doucement ici, donc la nuque sur le côté, on tire bien, on relâche, ok, on refait devant, en ayant le dos bien droit, on respire bien. On serre bien les abdos. Ok, maintenant les bras. On va faire des mouvements, pas des grands mouvements vers l'avant. Donc on en fait 3, 1, 2, 3. Toujours en serrant bien le ventre. 3 en arrière. 1, 2, 3. On va les faire en alternance. Donc un bras qui part en avant, un bras qui part en arrière. 1, 2, 3. Dans le sens contraire. 1, 2, 3. Tous ces exercices, ça, c'est super, ça entretient la mobilité des épaules. Donc pareil, quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte parce qu'on le fait facilement. Mais en vieillissant, si c'est les mouvements qu'on ne fait pas, on va perdre la capacité de l'épaule à bouger et ça peut être compliqué rien que pour s'habiller. Donc voilà, c'est important de faire cet exercice. Maintenant, on fait des mouvements comme un dos crawlé. 1, 2, 3 et un mouvement comme si on nageait le crawl. 1, 2, 3.
Ok, très bien. Maintenant, derrière, devant. Si vous pouvez, vous venez taper les mains derrière. 1, 2, 3. Ok, très bien. Les bras dans cette position. 1, 2, 3. On change. Ça peut être plus dur d'un côté. Moi, ce côté-là, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal. 1, 2, 3. Ok. Bien. Bougez les poignets. Très bien. Vous étirez un peu le poignet ici, en tirant sur la main en arrière. Là. Dans l'autre sens. Voilà. Il faut que vous sentiez que ça tire dans l'avant-bras, mais pas que ça vous fait mal. On passe au bras, à l'autre bras. 1, 2, très bien. Ensuite, on va faire des mouvements donc au niveau des hanches. Donc vous faites les plus grands mouvements possibles, les plus grands cercles possibles. Ça, c'est pour entretenir la mobilité du bas du dos. Donc on fait 3 mouvements dans un sens. 1, 2, 3, et on repart dans l'autre sens. Hein, et on essaie de bien respirer. 2 et 3. Ok. Là, on va faire un peu préparer, mais en faisant des petits mouvements, c'est-à-dire qu'on vient, on va venir basculer le bassin vers l'avant, côté, et on le bascule en arrière. C'est un peu comme si vous voulez faire la danse du ventre. Hop. Donc, avant, côté, arrière. On en fait 3 aussi. 1. 2, 3, et on part dans l'autre sens. 1, 2, et 3. Donc vous devez sentir, si vous avez les mains ici, vous devez sentir en fait vos, comment dire, bah votre bassin qui bouge sous vos mains. Ok. Maintenant, on vient étirer le quadriceps. Donc, le dos bien droit. Vous venez tirer le pied sur la fesse. Si c'est difficile sur une jambe, vous vous tenez à une chaise, à quelque chose. Voilà, vous serrez bien les abdos, le dos droit, donc on n'est pas penché en avant ou en arrière. Bien droit. On étire. Ok, on vient passer devant. Très bien. Toujours le dos bien droit. Devant. Côté. Hop. La jambe en berceau. Ok, on tourne. Ok. Et on essaye de maintenir l'équilibre dans cette position. On tire bien vers le haut, vers le ciel. Ok, on change de jambe. Donc on refait le quadriceps en premier. Ah. Ok, ça fait 30 minutes, c'est parfait. On fait juste, on finit celui-là. Donc le quadriceps, le dos bien droit, les abdos contractés. Ok, on passe devant. Si ça craque, c'est normal. Bien, le dos bien droit. On ouvre sur le côté. La jambe en berceau. Ok, on étire bien. On tourne le pied. Tous les exercices sur une jambe, c'est super pour faire travailler l'équilibre. Ou là aussi, c'est pareil, quand on est plutôt jeune, on ne s'aperçoit pas de l'importance que ça a, mais en vieillissant, voilà, il peut y avoir des pertes d'équilibre, donc c'est important à entretenir. Ok, dans cette position, vous tirez bien. Ok, on relâche, on continue avec les deux mains, on inspire bien et on va tout lâcher d'un coup. On refait, on inspire bien, on tire et on souffle. Une dernière fois et on souffle.
Ok. Très bien. Alors, donc c'est fini en fait pour les exercices physiques. En fait, je voulais faire, vous faire faire 5 minutes de cohérence cardiaque, mais je suis pas sûre d'avoir assez de batterie. Je crois que j'ai, ouais, j'ai plus assez de batterie. Du coup, bah, si je dois le refaire, enfin bref, je m'arrangerai pour avoir plus de batterie ou pour faire les exercices un peu moins longtemps. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que oui, que vous avez senti les bienfaits. Faites-moi, enfin n'hésitez pas à me laisser en commentaire, enfin du coup ce qui a été bien et aussi ce qui a été moins bien, enfin pour que je puisse m'ajuster, parce que c'est voilà, je suis pas habituée à faire ce genre de choses. Voilà. Et merci pour ceux qui ont regardé. Si ça vous a intéressé, bah écoutez, vous pouvez partager la vidéo, parce que je vais la laisser du coup sur ma page. Voilà. Bah écoutez, je vous dis du coup à bientôt. Profitez enfin, comme vous pouvez au mieux de cette journée. Voilà. Allez, bonne journée.